parce que tu nous as fait grâce pour le salut son nom. Tu nous as agréé dans ta présence. Pour bénir du sort de son âme. Purer le peuple dans l'éternel est Dieu. Et si on a le bon tapot, il y a la salle d'assemblée. Et nous sommes levés ce matin parce que tu es notre Dieu. Vous avez la question, on attend pas les repos ensemble de la vie. Merci parce que tu nous parles. Attends, il faut lever la vie. Et tu vas nous parler. Nous repoussons tout ce qui était confessé. Et nous voulons que tu nous fasses la mérite. Pour nous donner la mission de la mission. Parle, Roba, console, Bobissa, exhorte, Bobissa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si la propre encore sur Christ, nous avons inspiré au Saint-Éloi. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je salue aussi les bien-aimés qui me suivent partout dans le monde. Si on a participé, Paris, Amélie, Sambo, Pézo, la Mangaï, dans notre Mobila. Que Dieu bénisse les bien-aimés Jean-Pierre, souffre. Nous avons déjà parlé de la Mangaï, Amélie, Jean-Pierre, Zé, Thomas. Qu'il les bénisse. Ah, puis qu'il s'en a reconnu. Je bénis aussi les saints et pères tendres qui me suivent. En Europe, je vous vois en paix. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas pour le pays passant, il y a quelques temps, pays à l'Europe, pour passer dans la main dans ces délais, comme à Pandora. Colère chapitre 3. Nous sommes toujours dans notre continuité sur les Gabarons à Jérusalem. Vous allez à Bokobi, et à Abisso, où est allé Gabaron à paix et Jérusalem. Colère chapitre 3. Je lis le verset 4 et je descends. Les rois se rendirent à Gabaon pour y sacrifier, car cette heure les principaux des oliers Salomon offrit lui l'holocauste sur l'autel. Mon conti a tenu à Gabaon pour la pauvreté pour été Gabaon les a qui s'y parlent qui l'icolo pour Salomon a bonza qui m'a bonza porto. À Gabaon, l'Éternel a parlé en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. À Gabaon, Yahweh, Abibé, Salomon, Anoto, Nabutu, Abinaé, Seigneur, Solomon, Abobessaï. Salomon répondit, Salomon, Anoli, tu as traité avec une étrange de bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. Le cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Salomon a dit aux alentours de Tatana Malamu, où est-ce que vous savez Nayo, où est-ce que vous savez 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 que maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Pessa, na mon serviteur, mon père, ma maïe. Pour juger ton peuple, pour j'aimerais que vous saisissiez bien ce texte parce que ça sera ma prédication aujourd'hui. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Personne ne vous a dit je le compte. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pouvait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Pessa, na moussa na yo, kote ma maïe, pour la moussa, misa, kota na yo, pe, ma koki, a pe, ma malam, ou ma be, pour na ya koki, moussa, misa, kota, mon ene, o, ma teki, e, e, e. Nous ajoutons Proverbe chapitre 3. Tu vas ici, mon panda. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3.
Je commence à le dire à partir du premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et ton cœur garde mes préceptes. Mwana na ngai kobosa na te malakisi na ngai mpe motema na ye batela malako na ngai. Allons-y directement dans le verset 12 pour ce qui est tout, je vous aurais parlé tout. Le pays 12, vous descendez jusqu'au 17e verset. Nous sommes à vous. Alors, je vais lire ça là. Ma potable, c'est pas mon propre souci. Elle est plus précieuse que le perle, elle a plus de valeur que tous les objets de Dieu. Dans sa droite, sur longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. On peut terminer la lecture bien compagnie de son texte. Donc, prenons par exemple chapitre 2, rapidement. Je suis au Canada et on va la connaître tout à la première année. Je lis le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous pêchons parmi les parfaits. Sagesse que c'est qui n'est pas nécessaire, ni les chefs nécessaires, qui vont être rendus avec puissance. Vous allez côté à Bouania, Kati, Bouania, Kati, Sabato, Bazar, Koukouka. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Nous allons côté à que le Seigneur ajoute des citations à la lecture de sa parole. Nous sommes dit, nous devons commencer l'équipe bien avant, commencer la prédication bien avant, pour qu'on l'éternel aussi bien avant, afin de permettre qu'on s'y repose et que le deuxième culte, que nous ne soyons pas vraiment fatigués. Nous sommes tous les gens qui tombent dans le sang pour les deux, mais ça va les bosser. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur bénisse tout celui qui est présent. Je sais que les Gabaons à Jérusalem, ça nous a aidé de comprendre aussi la vache, je ne sais pas. Je ne veux pas répondre à tout ce que je dis, mais je vais avancer. Parce qu'aujourd'hui, j'expliquerai plus les songes. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que je suis pratique aujourd'hui. Salomon devient roi. Salomon a commis mon cause. Il n'est pas devenu roi à Gabaon, mais on l'a introduisé roi à partir de Jérusalem. A commis mon cause à Gabaon, mais a commis à mon cause à Jérusalem. Il est déjà roi. Il est à Zaï mon cause. Et tous les peuples reconnaissaient que c'est Salomon qui règne. Mais les montagnes sont tous les peuples de Salomon à la zone. Il est roi. Mais curieusement, on voit Salomon aller encore chercher l'Éternel à Gabaon. Salomon a dit Gabaon. J'aimerais que vous me suivez très bien, même les gens qui me suivent. J'ai vu les hommes de Dieu du Canada que je salue, j'ai vu beaucoup de gens qui me suivent. Il y a la différence entre recevoir la grâce et l'exercer. La limite pas la bataille, on a pu venir dans la bataille. On n'a rien mérité de la part du Seigneur. Salomon n'a pas mérité d'être roi. Salomon a abandonné des causes à mon cause. S'il est roi, ce qui a mon cause, c'est par la grâce. Et on a sonné la trompette partout, même tout Israël connaissait que c'est Salomon qui est roi. Voilà cause de nos échecs.
nous donne quelque chose, on s'arrête là. Mais Dieu ne marche pas avec lui comme ça. Salomon, bien qu'il est devenu roi, il a l'approbation de tout le monde. Mais il voulait encore chercher l'Éternel. Il y a des fois où le succès s'est arrêté. Il y a des fois Dieu nous a bénis, mais nous ne sommes pas allés loin. Il y a des fois on a fait mal la lecture du langage de Dieu dans nos vies. C'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'on ne sait pas comment chercher Dieu. Salomon est devenu roi. Salomon a commis mon conseil. Il voulait encore chercher Dieu. C'est ça le combat. On le voit à Gabaon. Bah, moi, à Gabaon. Et il ne donne pas le fond de quelle offrande. Il y a son père, ça lui donne ça. Il n'y a pas ma femme. Il donne l'Holocauste. Après, si il pose la commande à Obi. L'Holocauste, c'est une offrande qui coûte trop cher. Et les amis, il pose la commande à tout le monde. C'est une offrande entière. Et les amis, il pose la commande à Obi. Salomon a donné l'offrande. Salomon a pèsé, il pose ça. Après avoir versé le sang. Si ma pose la commande à la nuit. Nabouti, Dieu lui est apparu. Zambé a évolué. Je veux que le Seigneur vous bénisse. N'allez pas décoller pas pour lui. Je veux que le Seigneur vous bénisse. N'allez pas décoller pas pour lui. Mais comment Salomon est devenu déjà roi? Il est déjà roi. Le roi Salomon Zali Mokosi. Dieu a confirmé qu'il est roi. Zamba Zumi Misa. Zamba Misa Zali Mokosi. Mais il a encore besoin d'écouter Dieu. Azali sous la porte à Koko Kazam. Le livre. Vali Nabi. Il aura toujours besoin d'écouter Dieu parce que c'est Dieu qui connaît plus que l'homme. On se fatigue. On croit que ce que Dieu m'a parlé, c'est tout. Donc il y a encore des combats, il y a encore des défis. Nous avons besoin d'écouter Dieu à chaque instant de notre vie progressive. Donc on a C'est-à-dire que Salomon est allé encore chercher Dieu. Salomon a quel bon nom sous son temps. Il n'est pas seulement chercher Dieu. Il a donné aussi l'offrande. Il n'est pas blessé l'épouse. Après avoir donné l'offrande, si ma groupe est l'épouse, la vie de Dieu lui est capable. Nous avons un bon tour à l'époque de Saint-Michel. Demande ce que tu veux. C'est là où il est. Mais moi je croyais que Salomon n'avait plus besoin. Parce qu'il est devenu déjà roi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, on aura toujours besoin que Dieu puisse nous indiquer. Nous échouons, c'est parce que on a acheté la voiture pour que tout est arrêté. On a voyagé la fois que tout est arrêté. J'ai encore besoin d'écouter Dieu. On a posé la voiture dans ça. Et il y a aussi les sacrifices, parce que là, on a vu Salomon sacrifier. Je vais donner le pourquoi, mais je vais tout d'abord vous expliquer les choses terre à terre pour que vous sachiez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les révélations, ne la comprennent même pas. Nari na kolimbo na bino matango na pete pete epele na bato bazo ka bimoni seli bazo susula telo komonta Salomon a pesa ki Salomon a donné Salomon a pesa ki le Dieu a ouvert les esprits des cieux Nzambe a fomola ki malibisa na lo je sais pas si vous comprenez ça j'ai entendu beaucoup de gens prêcher la dîme c'est la loi l'offrande c'est la loi j'ai dit est-ce que les gens comprennent réellement la pensée de Dieu. Matthieu 23, verset 23.
Manela scribe et pharisien. Maonabino bakulimeko pe ba pharisien. Hypocrite. Parce que vous payez la dîme de la manne. Vous pouvez sacrer beaucoup dans son diamant. De la nette. La nette. Et du cumin. Des cumins. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Bien que vous dites à ta voix, vous êtes dans votre tour. À part la pratique de la dîme. Comment il y a ce qui est plus important. Comment on a compris que le règne a compris ça. Dans la loi. C'est vrai que vous êtes dans votre tour. Qu'est-ce qui est plus important dans la loi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. On pratique la justice, la fidélité, on néglige pas la vie. Une église pauvre. Les gens qui étaient dans la
Salomon est devenu
Par le profond sommeil. N'a pas bien la casse. L'offrande est donnée. Il est posé des amis. Le ciel s'ouvrit. Il est collé pour moi. Dieu est descendu. Ça m'a quitté. Et pendant que Salomon dormait, n'a pas Salomon à la Dieu lui a parlé par le sang. Ça m'a levé. Il nous a demandé ce que tu veux. C'est là où il dit. Et toujours dans ce songe, là, Dieu dit. Salomon répond à Dieu. Salomon a fait la présentation. Il y a moins des alliés qui étaient en gagne. Retournons à la première loi, chapitre 3. Nous sommes là. Voilà ce que Salomon dit. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Mon serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. 1, 3, 8. Qu'une épée ne peut être ni montée ni dénombrée à cause de sa multitude. Retenez bien votre prédication d'aujourd'hui, c'est ici. Accorde donc à ton serviteur un cœur. Si votre corps. Pense à la montée pour ça, il y a monté par mon corps. Intelligent. Yamayele. Pour savoir discerner le bien et le mal. Pour la corrigeur de la cause sur la qui pourrait juger ton peuple. N'a compris au sang qui s'alimente en aïe. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je reprends. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je sais pourquoi je suis cette femme. N'a lui pas eu de l'aïe. Salomon dit. Salomon a l'aïe. Donne-moi un cœur. Mais ça va monter ma moto. Pour savoir juger, pour la croyer par vos sangs, discerner, cogner, pour son sol, pour son sol, ah, les gens. Moi, je croyais que c'est Salomon allait demander un diplôme de doctorat. N'a la canisse à qui Salomon a pourquoi passé là, diplôme de mon père à doctorat. Un diplôme de master. Diplôme de mon père à master. Salomon n'a pas besoin de ça. Salomon n'a pas besoin de la moté. Le cœur sage, mon thème à c'est aider à Salomon à juger. Les apôtres sont à Salomon à Sambisa. Le bien et le mal. Ma bête ok. Alors Salomon, pourquoi tu n'avais pas un cœur? Il dit comme Salomon a un jour d'aller dans mon thème. Pourquoi il demande un cœur? Pour aller lancer dans mon thème. C'est-à-dire, pour Salomon, il sait quoi? Pour la Salomon, il est bien. Il est roi. Il y a ta reconduite. Il ne restera pas seulement roi. Il y a un petit à la table au il sera aussi juge. Il n'y a pas qu'on la source. Parce que le roi doit juger. Pour être au conduit, c'est la salissa. Le roi doit prononcer le jugement. Il doit prononcer la table. Pour vous prononcer le jugement. Pour la conscience. Il faut la sagesse. Et c'est une bonne. Si nous échouons beaucoup dans la vie, c'est parce que nous ne comprenons pas ça. Voilà pourquoi je suis venu pour que ça aujourd'hui dès la terre pour que vous cessez. Pourquoi nous échouons dans la vie? Mais l'on a un côté à lui, on a perdu. Pour vous, si vous avez un peu de soleil, pour la nuit, vous avez un peu de soleil. Un cœur sage. Mon thème, il y a un peu. Pour savoir discerner le bien et le mal. Pour la croire, il y a un peu de soleil. Et juger avec justice. Mais pour ça, il y a un peu de soleil. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc pour juger avec justice. Pour la croire, il y a un peu de soleil. Mais alors, il y a la constitution de ce monde. Ils arrivent à. Il y a le pardon de ce monde. Mais Salomon dit non. Pour que je sache juger avec justice. Pour la colère, ma constante, il s'en enseigne. J'ai besoin d'un cœur sage. Ma constante, mon thème à Gouenia. C'est le cœur sage. J'ai besoin de mon thème à Gouenia. C'est cette sagesse-là qui m'aidera. Gouenia, on est au son. À juger le bien et le mal. La constante, il s'en mal. Juger le bien et le mal. Au sein de sa mère. Et juger avec justice. Mais au sein de sa mère. Que le Seigneur nous apporte la sagesse pour savoir juger. Pour la paix, sa vie, son point, on n'a pas voulu qu'elle soit sainte. Voilà pourquoi faire comme dit. T'as la tine à l'écopole à l'obé. Pourquoi vous vous tiraillez? Pour la ligne, vous êtes à l'obé. Parmi vous, il n'y a pas un homme sage. T'as la tine à l'obé, tout le monde a bonne idée. Qui peut prononcer les jugements? Oui, à côté de sa vie. Donc, c'est dans l'église. C'est lui qu'on a la tête, c'est dans la vie. Attends qu'on a reçu. C'est pas tout le monde qui peut prononcer les jugements. Et ça, nous tous, on s'en il faut des hommes sages. Et ça,
Mais pourquoi Salomon demandait la sagesse? Pourquoi Salomon a donné la moyenne? Je suis venu vous dire comme un frère. Un frère de l'évangile. Salomon ne demandait pas la sagesse de ses membres. Salomon a sa moyenne. Mais Salomon demandait un nom. Salomon n'a dit pas le nom. Je vous dis que la sagesse, c'est un nom. Exactement. La sagesse parle. Boigne. La sagesse exhorte. La sagesse. Voilà pourquoi
j'aime les amis des gens. Voilà ce qu'ils ont dit. Pendant qu'elle parlait, Job répliquait. Elle parlait, Job répliquait. Maintenant, Eliphaz dit ceci. Eliphaz dans le livre. Je suis dans Job chapitre 15, verset 7. Il dit, Alobi. Est-il le premier des hommes? Non. As-tu été enfanté avant les collines? Job, pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu es le premier des hommes? Tu as été enfanté avant. As-tu laissé les confidences de Dieu? J'adore ça. Non. Et les égarés, yep.
compréhension pour la bateau, la pour la toile. Vous savez, la faiblesse est aussi son partage. Donc, quand la souveraineté est souveraineté dans l'offrande, il peut comprendre que le faible, il y a qu'on qui peut coller par la bateau, les égarer, parce que la chair qu'il a, est aussi faible. Il y a un peu on m'a pas encore compris. Ce sont les voilà l'explication. Tala. Verset 7. Celui qui déjoue dans le jour de sa chair. Moto oyo namikolo ya souminaïda. A présenté avec des grands cris. Avec des larmes de prière. A mon des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a donc Jésus-Christ est entré dans le corps. Les corps qu'il portait, ça le faisait un homme. Il a poussé des cris. Il est à table qui. Je ne me dérange pas comme tout le monde parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a pris ce corps, il me comprend, il me juge la justice plus que tout le monde parce qu'il a été tenté comme moi pour me secourir dans mes faiblesses. Alors, vous avez compris que cette prière de Salomon, ça parlait d'un homme. Et le songe ici, la sagesse dont il est question, je vous pose une petite question. Dieu donne la sagesse à combien de personnes ici? Pour ceux qui ont des textes, pour ceux qui ont des textes, on lit ensemble Proverbe 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Marcesse Salomon, bon à David, Kumu, Naïsaël. Il s'adresse à qui? Yéa Zomana. Verset 2. Mon fils, si tu ne sois pas bon. Ce qui aussi m'a donné. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ça vous dit quelque chose? Chapitre 4, verset 2. Écoutez mes fils. C'est-à-dire que le message est adressé à un fils. Et personne qui n'a pas la mort à mon père. Et après un fils, ça devient le son pluriel. C'est-à-dire qu'il y a un Salomon qui reçoit la sagesse. Mais cette sagesse ne s'arrête pas seulement à Salomon. Ça va aider aussi à un peuple. Voilà pourquoi le frère Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Mais il s'arrête pas dans un corps de saint. À ce qui t'accompagne dans un comité de sainteté. Dans Éphèse chapitre 3, 10, dit. Dans Éphèse, je peux m'en dire. Il faut que les congrégations et Seigneur connaissent ces choses, la sagesse finement variée par l'Église. Et il y a pas poignard à sa paix dans l'Église. Donc la sagesse commence par un fils. Et puis on va poignard et par l'Église. Il est Christ. Oui, c'est Christ. Et ça devient au fils au plus. Mais il faut que le président pas la mi-faille. Oui, ça nous fait du la prière de Salomon. C'était pas seulement pour un Salomon. Et là, il n'a pas un Salomon. C'est pour tout un peuple. Et là, il peut pas la vie de nos vies. Nous sommes aujourd'hui. Mais c'est que j'ai aimé. Voilà ce que Salomon précise. Salomon,
Voilà ce qu'il précise. Il dit, avons-nous donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton père? Je me pose la question, qu'est-ce qu'il juge? Qu'est-ce qu'il juge? Et l'homme dit le samedi. Selon Salomon, cet homme a les yeux. Et ils allaient lui sauter. Ni le sentiment. Et ils allaient lui pousser à monter. Mais c'est le cœur. Ils ont monté. Ce qui juge. Oh, les sages, c'est le cœur. Monté. La vraie sagesse. Bon, il y a solo. N'abuse pas seulement dans la tête. Mais pas dans la tête, dans le cœur. Dans la monté. Et si nous avons des problèmes dans la vie chrétienne aujourd'hui. Sauf que nous sommes dans la tête, nous n'avons pas au plus. Mais c'est plus aujourd'hui. Nous n'avons pas la vie solaire. Parce que les gens n'ont pas rencontré premièrement la sagesse. Ils ont rencontré seulement le où, le quoi, le statut. Parce que si quelqu'un reçoit la sagesse va toucher son cœur, changer son cœur et donner une autre compréhension des choses de Dieu. Vous m'entendez? Voilà pourquoi Salomon a cherché la sagesse. Si il y a la sagesse dans le cœur,
monter les amis. Cette sagesse-là nous poussera à marcher dans la terre spirituelle. Dans la haine du mal. Dans la haine du péché. Parce que dans cette sagesse, il y a la crainte. Je ne peux pas voir quelqu'un. Je ne peux pas comprendre. Que Dieu nous donne la sagesse. Dieu nous donne la révélation. Il nous laisse dans le péché. Je ne vois pas ce Dieu-là. Mais je crois que quand tu envoies la sagesse, cette sagesse est accompagnée par la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu nous pousse à comprendre tout ce que Dieu a créé, parce que cette sagesse-là, c'est un nom. Shalom. Mais si le cœur de l'homme sort moto n'est pas encore entré dans la sagesse, il y a moins continent de la sagesse. Il peut vivre comme l'homme. Il y a pile mon tonus. Comment faire ce qu'il est d'attendre? Je lis quelques versets et nous allons prier. Nous autres temps, on va prendre mon copie de ce que Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Je commence à lire la partie du verset 11. La source peut-elle jaillir par la main d'ouverture l'eau douce et l'eau amère? N'hésite pas. Et si quand on reçoit sa main, il y a qui regardez ce s'il vous plaît. Vous avez le bruit. Vous allez dans les bouts de la main. Pour puiser. Pour la photo à main. Il y a une ouverture, c'est bien ça? Les vous ne pouvez pas venir pousser comme ça? Oui, il y a une ouverture. Les allées, si l'ouverture est fermée, on n'a pas l'accès à la source. Si c'est ouvert, on peut entrer à la source. Maintenant, frère Jacques compare l'homme. Si toi, Nego, il y a qui regardez. Il compare la bouche comme la source. L'ouverture, c'est ça la bouche. Le cœur, c'est ça la source. Mon thème, il y a quoi des amis visibles. Mais là, frère Jacques dit ceci. Comment dans cette seule source ne connaît qu'à l'oubli. L'oubli n'est ni la visibles à mon corps. Mais j'arrive l'eau douce. Et le petit peu plus, ça m'a dit. L'autre, amen. Le problème, ce n'est pas la bouche. L'itamézali, mon côté. Le problème, ce n'est pas l'ouverture. L'itamézali, mon côté. Le problème, c'est le fond. Car si l'itamézali, tâche. J'arrive quelque part, j'accuse l'eau. L'ouverture, c'est rien. Mon mais si l'eau est douce, ce qui m'aille, ça veut dire que la source aussi est douce. Si l'eau est amère, ce qui m'aille, ça veut dire que la source aussi est amère. Mais après, chaque esprit se dit, il dit ceci. Lesquels donc peuvent-vous être sages? Qui nous montre sa sagesse par les ailes. Vous êtes la sagesse? Vous êtes la sagesse? Dans le cœur. Maintenant, si dans votre cœur, il y a la sagesse, que l'extérieur aussi témoigne de la sagesse qui est là-bas à l'intérieur. Il va descendre tantôt la boîte dans la tête. Mais si vous avez dans votre cœur, sans qu'il n'a pas été invité à la vie, vous allez. Et c'est la mère. Vous allez la nuit à Pauvre. Et l'esprit de suite. Mais vous allez la volume à Pauvre. Ne vous glorifiez pas. Vous vous mis à ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là, ne pas celle qui vient d'en haut. Et où tu n'as pas été invité à la vie, vous allez. Et elle est terrestre. Charnelle. Et elle est soumise. Des hommes. C'est ce qu'on a appris dans nos ancêtres,
dans nos tribus, dans la vie. Donc, c'est ce que nous allons produire. Mais la sagesse, si cette sagesse répand le cœur de l'homme, ça produira la douceur, ça produira la vie de Dieu, ça produira l'amour du vin, ça produira la crainte de Dieu parce que le cœur de l'homme est réparé. Vous m'entendez? Ce qui est bon, c'est que mon thème à vie soit égoïste. Bon, pour le moment, c'est mon thème à la moto égoïste à lui. Voilà ce que je vais vous dire. D'accord, il dit la sagesse en haut. J'accepterai que les gens m'enclament. Je vais chercher l'approbation des hommes.
seulement ton extérieur, ton cœur. Ne récupère pas seulement ton extérieur, mais ton cœur. Pourquoi les femmes portent les voiles? À part les voiles que vous voyez, à l'intérieur, ça signifie la solution. Pourquoi les hommes ne prêchent? Pourquoi les femmes n'enseignent pas dans l'assemblée de saints? Parce que celui qui doit enseigner, c'est celui qui est grand frère. C'est celui qui est venu avant. Ce que nous faisons, dans l'extérieur, explique les choses spirituelles. Pourquoi la femme doit se soumettre à son mari? C'est parce que ça explique que l'église doit se soumettre à Christ. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? C'est pour expliquer que Jésus-Christ s'est donné pour sa femme. Pourquoi l'homme doit souffrir? Je suis pour les hommes fainéants. L'homme doit souffrir pour sa femme. Pas d'explication. On ça. Pour souffrir sa femme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix. Il fait donner pour sa femme. Si nous restons dans des choses extérieures, on ne comprendra pas Dieu. Nous vivons dans un pays où tout est bloqué. Mais je sais qu'un jour Dieu va visiter ce pays. Mais si ton cœur est ouvert, si Dieu ne fait pas de miracle, il est libérateur. Toujours la vie à Montana, ici à Montana, il y a des gens qui achètent des parcelles. Il y a des gens qui réussissent. Les uns ont 24 heures pour la réussite, les autres 24 heures pour pleurer. L'homme est méchant. Si quelqu'un vient et que je n'ai pas d'argent, je souffre, personne ne va te dire. Si tu mets aujourd'hui la chanson. C'est ça le cœur de l'homme. Tu n'as pas le temps de pleurer parce que personne ne te comprendra. Il y a que Jésus-Christ qui connaît ton cœur, ton dernier. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Sors de l'extérieur. N'écoute pas tes sentiments. Tout se trouve les sentiments à l'extérieur. N'écoute pas tes émotions. Tout se trouve les émotions à l'extérieur. Offre-les à l'intérieur. Tu penses à tout qu'il y a des promesses pour toi. Mais si la sagesse de Dieu te visite, cette sagesse a créé le ciel, la terre, cette sagesse est capable de créer toute ta vie ce matin. Vous voyez ce message? Vous voulez que la sagesse crée tout en vous? Vous voulez que Dieu soit les chemins dans votre vie? Alors, il ne faut pas vous limiter dans les choses extérieures. Vous ressemblez. À l'extérieur, je vois quoi? Il n'y a pas de transport. Dans ce mais d'abord, j'ai la paix. Je marcherai à pied, mais j'ai la paix. Je n'aurai pas peur d'avoir faim. J'ai la faim, mais à l'intérieur, j'ai la paix. Est-ce qu'elle n'est pas comme ça? Je ne peux pas comprendre d'autres choses. Mais à l'intérieur, j'ai la paix. Ça prouve que mon culte n'est pas seulement émotionnel. Mais ça fait peur. Mais émotionnel. On va prier. Ton sang. Ah, les gens. La sœur là, une décoration. Elle a vu l'enfant mourir. Ah, mon immoine, la zone bouffe. Elle pouvait aussi crier. Il n'y a pas de problème. Mon enfant. Elle a pris seulement l'enfant. Il y a celui qui a l'enfant. Où est-ce que je l'ai trouvé? Et si la vie n'a pas qui est dans la chambre du prophète. Mais où? Si la table non. Et la messe à terre. Il parle là. À Kéouna. Elle-même. À Tiémoine. Parce que je l'ai trouvé là. Oui, et dans la salle. La source, c'est là. Ici, c'est la source qui va nous traiter. Ma vie, la source, c'est où? Bon,
croix de Golgotha. Qu'il parle. Je vais rentrer là. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, pasteur, deuxième culte. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci.